Prise de bénéfices aujourd'hui à la Bourse de Paris après un très bon deuxième trimestre et avant des moments importants en fin de semaine avec notamment cette réunion de la BCE qui aura lieu jeudi ou encore la publication du nouveau taux de chômage qui aura lieu vendredi. Eh bien, avant ces moments importants, les investisseurs ont préféré ne prendre aucun risque. Ils ont donc engrangé les plus-values réalisées et donc fait chuter le CAC 40 qui, à un peu plus d'une heure de la clôture, perdait 0,41% à 3752 points. Alors parmi les moments importants, les mouvements importants du jour, on notera celui de Danone. Le groupe agroalimentaire a vu la Chine ouvrir une enquête à son encontre. Danone ainsi que quatre autres sociétés sont suspectées d'entrave aux règles de la concurrence en Chine. Cette annonce faisait chuter le titre du groupe de 1,32% à 56,71 €. On reste dans le monde de la distribution avec Carrefour qui perdait également du terrain. À l'image de ses homologues européens, en fait, le groupe pâtissait de la mauvaise passe du secteur. Son titre lâchait 0,89%. Et puis pour terminer, une note en hausse, celle du fabricant de pneumatiques Michelin. Elle a été réévaluée par UBS. Sa note passe de neutre à achat. L'action de Michelin gonflait de 2,05% à 70,56 €.